d'abord, oui, parce que j'ai été chercher dans le dictionnaire, je me suis posé la tête. Alors, le noir. Alors, en plus, ça vient du latin. Négro. Non, non, pas du tout, ça vient du latin. Ni guerre, ni gris. Enfin, moi, j'ai compris, ni guerre, ni Christ. Et en fait, la traduction du latin, c'est nègre. Et en espagnol, c'est négro. Donc, finalement, on se pose pas mal de questions. Vous voyez, là, obligatoirement, nous, enfin, moi, je me suis posé des questions. Et du coup, voilà ce que j'en ai sorti. Les noirs et le noir. Nous, hommes blancs, dits européens, nous avions peur du noir. Quand je dis noir, je veux dire dans le noir. Mais l'homme noir, dit l'Africain, non. Il était comme nous. Il avait peur du blanc. Mais il avait aussi peur du noir. Dans le noir. Prenons l'homme rouge, dit peau rouge. Il avait comme nous une peur bleue dans le noir. Mais il avait aussi peur du blanc que du noir. Et oui, rappelez-vous, c'est pour les anciens, les tuniques bleues. Quant à l'homme jaune, on part en deux. Quant à l'homme jaune, le fou furieux, le kamikaze, qui profitait du soleil pour plonger sur nos porte-avions. Rempli de blanc, rempli de noir, rempli de rouge. Il avait bien peur de nous. Mais il avait également peur dans le noir. Bon, tout ça pour vous dire que le seul homme qui peut faire des autres et qui n'a peur ni du noir, ni du blanc, ni du rouge, ni du jaune, c'est le petit homme vrai. Mais a-t-il peur dans le noir? Casse-moi. Donc là, casse-moi, vous avez le droit de me poser une question. Oui. Allez-y. J'espère que vous n'allez pas m'en poser, parce qu'en ce moment, on va perdre. Ça sert à quoi, les ballons? Ça, c'est bon. Et ça s'éteint, hein, de rien. Mais la première a été éteinte avant. Hein. Encore? C'est une question. Ouais, mais la première a été éteinte. Je suis pas con. Bon, c'était une question. Alors, pour ceux qui auraient une question, alors on va en poser à Yves. Bah, c'était une question, pour servir les ballons. Oui, oui. Deuxième. Mais j'attends la question là. Vas-y. Je présente justement pourquoi l'huile est magique pour toi. Pourquoi l'huile est magique? Oui. L'huile est magique pour moi. Ah, pour moi, l'huile n'est pas du tout magique. Pour moi, c'est un produit absolument pourri. Il permet de bien marcher, tout ce qui est avion, voiture. Moi, je me souviens que j'ai toujours été à pied dans la vie, mais comment ça m'énerve. Et je prends ma boule. T'as l'air de poser des questions. J'ai tout prévu. Ma boule. Non mais je fais un détail, non mais il faut expliquer quand même certains passages de ma vie. Donc il me rend totalement ma boule. Et pourquoi il me rend ma boule? Ça me fait penser à quoi? Mais que j'ai failli rentrer à l'école boule. Et pourquoi je ne suis pas rentré à l'école boule? Incroyable. T'es rentré à l'école supérieure. Non, ça n'a rien à voir. C'est trop péjoré. Non, parce que l'école supérieure est énorme. C'est trop péjoré. Non. Mais je suis allé à Paris avec ce que j'avais. Et malheureusement, vous avez dû remarquer que je bois pas mal. Les réponses précédentes. Et donc, j'ai passé les examens au niveau des maths, des français, tout ça, au grand hôtel et tout, qui était le plus difficile pour moi, du reste. Et malheureusement, je me suis endormi après avoir passé une nuit à Paris, une très belle nuit à Paris, mais je me suis endormi sur un banc. Et je vous promets que c'est vrai, je ne raconte jamais de détails. Et je me suis réveillé sur un banc, et là, il y a une dame qui m'a réveillé, malheureusement, juste un peu trop tard. Et qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec votre carton à dessin? Et je fais, oh, j'ai mon examen à l'école boule. Et je suis parti, et on m'a refusé l'entrée à une minute près. Et du coup, ça a changé ma carrière. C'est marrant. Il y a des choses que je peux vous en raconter. Moi, on m'a changé ma carrière, mais je pense que c'est plutôt moi qui me laisse changer d'ailleurs.
Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah, une autre couleur. Une autre couleur. Ah, tu voulais une réponse? Bah, je veux. Oh, un rose. Comment on appelle ce rose-là? Bon, un rose maillot. Un rose de Thierry. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et ça se remplit les cases. Ah, ça, je vous en avais pas parlé. Alors, oula, vu que je m'en rappelle, autrement, je vais passer pour un con. C'est la seule chose que vous devez retenir par accord. Et les arts, il y a les arts majeurs. Et quel est l'art le plus majeur? Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est cet art-là. C'est la peinture, qui est citée en premier. En second, la sculpture. En troisième, l'architecture. En quatrième, la musique. En cinquième, la poésie. En sixième, la danse. Et en septième, le septième art, c'est-à-dire le cinéma. Les sept arts qui sont reconnus comme étant... D'ailleurs, toi, t'as été étonné, tu m'as dit, mais le théâtre, c'est un mineur. Bon, alors, du coup, j'ai dit, bah, parlons des arts mineurs, parce qu'il y en a des tonnes, des arts mineurs. D'ailleurs, je pense que vous allez m'en inventer. Parce que c'est facile à inventer. Alors, je vous en cite quelques-uns, comme ça, au hasard. Il y a l'arbitraire. L'arbitraire, c'est œuvre réalisée par tout artiste libre qui ne tient pas compte de la réalité, des exigences, ni des règles établies. Il y a l'arborie. L'arborie. L'arborie, ça, ceux qui savent ce que c'est, consiste à ne peindre que des arbres durant toute sa vie de peintre. Ah non, ça, on s'en fout. J'ai le droit de poser une question. Un artiste. Ah oui, tout à l'heure. Non, quand il y a des. Non, vous avez le droit de poser des questions derrière moi. Et vous inquiétez pas, je vais vous éviter. Bon, alors allons-y, avançons. Parce que, et on m'a dit une demi-heure. Ah, oh là 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 là. Non, c'est pas grave, on enlève plein et puis on va à la fin. Hein. Oui, bah, oui. Il faut que c'est des gagnants quand même. Ah, question. Mais non, mais là, on a une égalité, mais c'est vrai qu'on est embêté. Bon, alors, question. Comment un marron peut-il devenir bleu? Comment un marron peut-il devenir bleu? Je suis un artiste. Je suis un artiste, donc je vous pose des questions qui ont un rapport avec moi, avec mes couleurs. Alors, vous voulez jouer? Non, du midway en prenant un coup. J'ai fait le bouger. Laissez-moi parler. C'est bien, bien, exactement, ça. Alors écoutez bien. Mais il a raison, oui, tout à fait. Ah, il veut guérir. Vous prenez un noir, vous l'énervez, il voit rouge, il vous colle un marron, donc monsieur a raison. Et bien le lendemain, votre marron devient bleu. Donc monsieur a gagné. Si c'est un noir, c'est rouge. Alors attention, parce que là, monsieur a gagné. Monsieur a gagné. Ils sont pas mis, un petit. Les jaunes sont indiens. Mais il faut mettre un petit cheveu. Mais si, c'est mis, c'est mis. C'est facile. J'arrive pas à trouver les cheveux. J'ai failli intervenir. Non, c'est rien, on a dû les enlever. Bon, allez, on va là. Au hasard. Oh non, c'est trop tôt. Bon, allez, j'ai encore du boulot. Oui. Ouais, il faut pas le faire. Ah! Les arts mineurs. Oh, celui-là, il est magnifique. Il va vous plaire. L'archiduchesse. Art débile, réalisé sur des chaussettes, exclusivement réservé aux princesses. Exemple. Les chaussettes de l'archiduchesse sont de chaussettes. Ouais, parce que tu ne peux pas vendre ton art, c'est pas cher. Harry Potter. C'est l'art d'être plus connu que Marilyn Monroe. Bon, alors, on va faire des gros, grands textes, parce que j'ai des textes que je voudrais vous apprendre. Ils sont où, mes textes? Joker. Attention, Joker, mot compte double. Donc, celui qui répond bien à la question, double.
qui a dit? J'adore. Qui a dit? Alors, il y en a qui doivent répondre. Qui a... Concentrez-vous. Qui a dit? Pourquoi vivre à 100 à l'heure quand on a, quand on peut rouler sa caisse? Bon, allez, Yves Le Macho. Bah non, mais c'est pas ça. C'est plus. Un texte. Ah, c'est là le texte. Ah, celui-là est magnifique. Ah, ouais. Oh, là, je vais m'asseoir, il est tellement long. Ah, ouais, c'est là. Ça ne vous dérange pas si je m'assois, parce que là, j'en fais. Qui a mis le carton, là? Sans déconner. Et vous savez que. Et en plus, c'est vrai, parce que pendant des années, je fais ce que je fais. Attention, attention.